Allez, bah écoute, je t'emmène à un petit rendez-vous. Tu verras avec qui, hein. Allez, c'est parti. Ça va toi? Bien. Oh la petite bilette de ouf! Regardez! Avec le filtre-air! Putain, mais c'est bien un filtre-air de karting ça, non? Je sais pas. Bah c'est un carburateur, un filtre-air qui va avec le carbu, hein. Oh là là, regarde l'usine à gaz un peu. On va en discuter. Ouais, voilà. Ah oui, c'est sûr, hein. C'est différent, quoi. Oh, moi, je rentre pas dans les trucs, dans les usines à gaz. Déjà qu'elle monte un simple moteur, j'ai du mal, alors. Usine à gaz. C'est mort. Alors donc, parle-nous un peu de... On va faire un petit clin d'œil sur le reste de la... De oui, la alors graine. Tiens, on va mettre sous tension, tu vois. Voilà. Donc là, en fait, tu alimentes le compteur, hein, comme on l'a vu. La tension de la batterie qui est un peu faible parce que j'ai pas roulé avec depuis un moment. Là, la température du moteur. Ouais. Et puis, bon, l'éclairage ici, tu vois, tu choisis si tu veux mettre... J'ai failli le prendre aussi, celui-là. Ah, il m'était offert avec le casque de cross. Ouais. Maintenant, ils en offrent pour tout, AliExpress, ah, ils sont bien. Thank you.
petit spot. Les spots secrets. T'as vu, hein. Bon, je suis désolé, je suis obligé d'accélérer. Là. Oui, bah bien sûr. Puis moi, je vais. Moi, je me traîne. Carrément, c'est une très bonne idée. Voilà, moi je suis toujours obligé de. Ah ouais. Non, je suis t'inquiète. Tu vas passer la foutre. Je vais au gratter. Des vrais foulées, mec. Des vrais foulées, mec. Regarde-moi ça. C'est... Ça, je n'ai jamais osé le faire. Moi, j'aurais fait plus simple. Je l'aurais mis sur la route. Il n'y a pas les cailloux. Allez. Je t'aide pas. Voilà, nickel. Voilà. Ah, grave. Bon les gars, je vais essayer la mobilette. Ah oui, ça serait dommage que, tu n'en profites pas quoi. Voilà, c'est pas mal, c'est nickel. Voilà. Allez, moi je te. Maman. Je vais aller doucement, puis on va voir. Ah, ça, ça, le contour. C'est génial. Oh putain, ta mère! J'ai jamais essayé un truc comme ça, quoi! Elle est réglée soft, hein! Parce qu'on n'a pas parlé des pommes, là, mais la courbe, elle est réglée soft, hein! Bah, je trouve que c'est bien, sinon on sent le truc un peu fiable, pas d'à-coup, pas de machin. Et puis, c'est linéaire, hein! Et puis, pareil, la tenue de route, et on n'est pas sur une mobilette, là! Non, non! C'est du, comme je dis, c'est du velours, quoi! Ah ouais! Ouais. Ah c'est crazy, alors par contre tout le temps dans les tours, même j'essaie d'y aller doucement et tout, t'es obligé. C'est pas moins de 10 000. C'est hein. Pour ça que celle-là je la prends pas pour les balades, c'est mort. C'est mort. C'est vraiment pour les trajets comme ça, tu vois, pour tu pars, tu fais 10 minutes de mob, au taquet quoi. Ouais. Pour essayer sa mob, il vous dira non, s'il vous connaît pas il vous dira fuck, mais c'est quelque chose hein. Waouh, j'avais jamais essayé une mob avec un moteur, ouais, c'est un moteur de compète quoi. On peut presque appeler ça comme ça. Chiadé. Merci Pat. Bah de rien, avec plaisir, hein. Je te l'avais promis. Ouais, ça vaut le coup. La prochaine étape, la MVL. Voici mon cadre. Il est en peinture là, tu vois. Donc j'en suis à la deuxième couche de vernis. Alors là, c'est encore un peu peau d'orange, donc je pense que je vais reponcer encore. Et puis repasser une couche de vernis. Après, c'est pas évident à la bombe, hein, parce que la projection n'est pas régulière, si tu veux. Ça dépend de la façon dont tu appuies sur sur le bouton, la gâchette, ce que tu veux, là. Tu vois, la pression. Là. Donc voilà, tu vois. C'est un gris bleuté, tu vois.
Voilà, j'avais envie de changer un peu de couleur. C'est une couleur qu'on voit pas tellement. Donc, ou pas, moi j'en ai pas vu en tout cas. Alors, c'est quoi le gris là? Est-ce que c'est marqué quelque part? Non, c'était marqué, c'est pas marqué là-dessus. C'était marqué sur le bouchon, bref. Donc, l'idée, c'est d'avoir un, sans être noir, tu vois. Je voulais pas un cadre noir, donc il est gris foncé, quand même. Hein. C'était ça ou bleu nuit. Et du coup, quand j'ai vu les couleurs que je vais mettre après dessus, j'ai dit non, le bleu nuit, je laisse tomber. Je vais partir là-dessus. Le bleu nuit, en fait, si tu veux, que j'ai trouvé, il n'était pas assez encore foncé. Donc, je suis parti sur cette couleur. Et puis, en fait, tout ce qui va faire la différence, c'est ce qui va être autour du cadre, en fait. Déjà, ici, je vais lui mettre des beaux stickers. Ça va être très important, ça. Ici, et puis après, la différence, comme je disais, ça va être la coque, la bulle, et le garde-boue et les roues. Voilà. C'est ça qui va vraiment démarquer la mob, quoi. Donc là, franchement, ça y est, je suis emballé. Là, c'est un projet à moi. Donc, ça fait plaisir, d'une part. Et puis, voilà, je vais pouvoir aller au bout de au bout de mes idées, quoi. Ce qui va me limiter, après, ça va être le budget, comme d'habitude, hein. C'est-à-dire que j'aurais bien mis une fourche BR avec frein à disque et tout le merdier, quoi. Mais pour le moment, je vais m'en tenir à ce que j'ai, hein, la fourche d'origine. Et puis, ça évoluera peut-être après. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça prend forme, non? Donc, tu vois, j'ai monté les amortisseurs, le bras oscillant, le robinet, mes cylindres blocs, mon bouchon pour le moment, tu vois. Comme ça, ça permet de pas trop éparpiller les pièces. Et puis, après, là, je vais devoir mettre ça de côté. Dès que j'ai la fourche, bon, je l'ai là, la fourche, mais j'ai pas le... Il manque un roulement. Voici l'avancée de la préparation de mise en peinture. Donc, ce matin, j'ai fait ma bulle. C'est l'après, hein, peinture d'après, tu vois, je l'ai poncé. Qu'est-ce que c'est long pour enlever les autocollants? Quelle merde! Oh, regarde le massacre. Juste pour enlever la colle. Et là, j'ai pas fini encore. Hein. Donc ici, j'ai mon garde-boue avant aussi, qui est mis en après. Et puis, cet après-midi, je continue. Je continue à poncer, enlever la colle. Ça, c'est l'enfer. Puis une fois que ça c'est fait, ça va aller mieux. Une fois que ça c'est poncé, je vais pouvoir mettre l'après. Puis après, seulement je vais pouvoir mettre en peinture, prendre mon temps et faire des choses propres, quoi. Là, c'est dommage parce que la bulle, en fait, je regardais, je l'aurais bien mise plus près. Mais le problème, c'est que mon compteur ira peut-être plus après au-dessus. Donc, je vais regarder ça, comment je peux faire. Ça avance, ça avance. Alors là, je peux te dire que c'est pas mon boulot favori, ça, la carrosserie. Hein. Mais je me suis appliqué, tu vois. J'ai même enduit les anciens quadrillages, là. Donc, je sais pas ce que va donner le rendu final. On va peut-être voir des imperfections, hein, ça, c'est possible. Mais j'ai quand même fait l'effort, voilà. J'ai fait l'effort de tout poncer, d'essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Après, si c'est pas top top, j'aurais au moins essayé, quoi. Donc je viens de réinstaller le compteur, le guidon, la fourche. Donc je viens de peindre récemment le garde-boue. Voilà. Donc il sera noir, comme tu peux le constater. Noir mat, avec la fourche noir mat. Il y a une raison particulière, en fait, c'est pour... C'est pour donner un aspect plus bas à la bécane. Parce que j'aurais pu le mettre dans une couleur qui va s'accorder avec ce que je vais mettre après. Mais seulement, ça l'aurait fait tout de suite plus flashy d'entrée. Et moi, je ne veux pas. Je veux que ce soit des petites touches qui fassent le rendu. Tu vois. Donc, avec ce garde-boue, si je l'avais mis d'une autre couleur, ça aurait relevé la mob. Alors que là, ça va la rabaisser, tu vois. Donc je peux pas t'en dire plus puisque c'est un peu l'évolution au fur et à mesure, tu vois, tu découvres les choses. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait la bulle qui est en haut là aussi aujourd'hui. Voilà, elle sera... alors la position initiale, elle est vachement en avant, tu vois. C'est pareil, c'était pour qu'elle tombe au niveau du garde-boue. Et je ne sais pas encore si je vais continuer comme ça ou si je vais plutôt revenir plutôt proche, tu vois, et raccourcir l'ensemble. Je ne sais pas encore du tout. Ça se fera peut-être ou peut-être pas. Donc, tu vois, là, je travaille sur trépied. Et franchement, travailler en hauteur, c'est quand même top. Hein. Là, je ne suis pas fatigué. C'est cool.
Donc voilà, pour aujourd'hui, ça a pas trop mal avancé, tu vois. Allez, je coupe. Bon, c'est vrai que habituellement tu me vois avec la GoPro fixée sur le thorax, et puis tu me vois faire. Mais là, franchement, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie parce que ça va faire des vidéos et des vidéos et des vidéos. Je préfère te montrer comme ça, tu vois, étape par étape. Et puis voilà quoi, hein. Allez, bon bah je te laisse, je coupe pour aujourd'hui, j'ai tout fermé. J'ai monté le radiateur hier, j'ai mis forcément le moteur en place pour voir la hauteur du radiateur. J'ai monté donc les roues aujourd'hui. Bien sûr elles sont pas peintes, hein, c'est les roues, pour le moment c'est pour tenir la mob sur ses roues quoi, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fixé le guidon. Donc le compteur est en place. On l'a peut-être déjà vu. J'ai réglé le balancier là. Il faudra que je règle le jeu dans le moteur. Parce que là pour le moment il y a un petit peu de jeu, mais vraiment petit, tu vois. Ça se règle, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais pouvoir remonter ma poulie d'embrayage, pignon, tout ça, là, ça je vais pouvoir faire, comme ça débarrasse un petit peu la place dans les cartons. Donc hier, eh ben, la mob est tombée, j'avais mis sur trépied, et les trépieds se sont pliés, ah oui, forcément, donc la mob est tombée, hein. J'ai dû refaire un peu la peinture, mais bon, pas méchant du tout. Voilà, donc concernant la mob, alors donc voilà la coque, je te montre. Donc voilà, pour le moment c'est en préparation, tu vois, j'ai renforcé mes trépieds, là tout est vissé maintenant, hein, ça bougera plus. Et puis cet après-midi, ben, si tout va bien, je mets en peinture. Voilà, et puis il y aura la bulle à faire aussi, la bulle elle est pas encore définie. J'ai pas encore défini au niveau de la bulle, si je la raccourcis, si je la laisse comme ça, etc. C'est à voir. Bon ben écoute... voici les couleurs. Alors, je dois dire que même si j'ai tout peint en blanc, c'est pas évident à peindre. Hein. Ça fait des taches noires, on sait pas trop pourquoi. Donc ça va que, en gros, je m'en bats un peu les cacahuètes, même si j'aime que ce soit bien nickel. Mais voilà. Tu sais, c'est des mobs qui vont être appelés à... Hein, à être peinte, donc ça va faire super sympa quoi. Nif, c'est qui ce petit là? Oh, étranger, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Hilo? Ah, ça devrait pas mal rendre quand même. Wow. Le rendu des couleurs n'est pas exactement la même que dans la réalité, hein. Là je viens de le peindre, de vernir. Donc il fait pas une bonne température, donc résultat, pour le moment c'est pas très joli, mais bon.